La poupée géante dans Squid Game, please. Comme tu peux le voir, j'ai la tenue, donc je vais faire le make-up de la poupée géante. D'ailleurs, je sais pas si elle a un prénom. Je commence par cacher ma barbe. Et en plus, vous avez été très nombreux à me demander la poupée. Oh putain, j'en ai mis trop. Du coup, j'espère que je vais réussir et que ça va vous plaire. Je tiens aussi à dire qu'il y aura zéro spoil dans cette vidéo. J'ai appliqué mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury et là, je passe à l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Puis, je viens poudrer tout mon visage avec la poudre de chez Anastasia. Alors, mon œil est en train de pleurer, faites pas gaffe, il y a un truc blanc, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la poudre et le fond de teint qui se mélangent. Pour le contouring, n'hésitez pas à bien accentuer à ce niveau-là pour vraiment affiner le menton et pas en mettre ici pour vraiment faire des joues assez rondes. Pareil pour les joues, n'hésitez pas à remonter jusqu'au nez pour avoir cet effet rond à ce niveau-là.